Mais on arrive. Bande de bandits. Essayez d'esquiver. En avant. On se trouve face à des loups. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, ceux-là. Ils sont sacrément chiants. Et ils collent aux pattes de mon cheval. Je vais les buter à coups de feu et de couteau géant. Les défoncer. Voilà. Toi aussi, t'es mort. Ça, c'est réglé. On trace. Ce cheval de merde. Allez, le cheval. Il est coincé, hein. Il est coincé. S'il pouvait me suivre, ce serait bien. Pour qu'on puisse aller au campement des Scoyatel, juste là. Comme quoi, ils sont pas tous morts. Faut pas déconner non plus. Hein? Y'a de quoi faire. Monsieur le Scoyatel. C'est vous. Encore merci. Je ne vous oublierai jamais. Quoi? J'ai fait quoi? On s'est déjà vu, Oudon? Il y a longtemps, à Brokilon. Possible, mais je crains d'avoir oublié. Rien d'étonnant, vous étiez alors seulement blessé. Sans l'aide des Dryades, vous étiez condamné. What? C'était il y a bien longtemps. Dans une autre vie, pour ainsi dire. Peut-être même littéralement. Ouais, enfin... Je jetterai volontiers un coup d'œil à vos marchandises. J'ai pas compris. Ouh, il a une sacrée épée. Elle est pas mal, mais elle fait pas beaucoup de dégâts en plus. C'est dommage qu'au niveau des perfs, c'est pas trop ça. Bon. Plus ça coûte cher. Par contre, il a le plan qui peut être intéressant à prendre. Voilà. Épée de Scoyatel. Vous savez jouer au Gwent? Vous n'avez personne d'autre avec qui jouer? Non. Si, mais j'aime bien varier les plaisirs. Bon, d'accord. Après tout, je ne peux pas faire le difficile. Je suis même prêt à miser l'une de mes cartes uniques. Je sais pas s'il voit grand chose avec ses draps devant Sortez la tête. Sortez vos cartes. Je sais même pas ce que ça représente chez les elfes. Bon, on a mis Taïsen. On va pouvoir envoyer du lourd, du très lourd. Alors. J'aimerais bien une carte de pioche, s'il vous plaît. Non, Vizimir. Ouais. Bon, bah tant pis, hein. On va faire avec. Ah, j'ai un leurre quand même. C'est pas mal. Bon bah, bon boulot les gars. Oh non, heureusement que j'ai mis la plus mauvaise carte. Oh. Quel relou. Rends-moi ma carte, s'il te plaît. Merci. Porteur d'épée qui double, qui se double en bandit, je sais pas quoi. Bon, j'ai le droit de repiocher une carte. 11 à 4. J'ai pas compris à quoi il jouait en fait. Ah, brouillard, non! Bon bah, je vais pourrir le jeu, une bonne fois pour toutes.
Oh là là. Quel relou ce mec. Voilà, retourne chez toi, retourne chez ta mère. Oh oh. Waouh, elle est mignonne celle-là. Sympa comme carte. Bon, il faut bourrer là. Il a plus que deux cartes. Logiquement, il a aucune chance. Oh, comme par hasard. Ah quel salaud. Ah quel salaud. Et c'est qui pioche du coup? C'est moi. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné 5-0. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, tant pis pour moi, vous avez gagné la carte à la loyale. Ouais. C'est quoi comme carte? Vous avez reçu 25 points d'expérience. Et Cyril Afiona, Hélène Rianon. Oh, Francesca Findaber. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour mon jeu de Gwent. Ça va me permettre de défoncer un peu tout le monde. C'est cool. On va regarder. Oui, une carte 15. Ça fait du bien. De la bonne carte là. De la carte légendaire. Allez, oh, oh le loup qui s'est fait intercepter. Missile patriote quoi. La tête chercheuse. Ah ah. Il faut trouver le petit bâtard. C'est parti, on part à sa recherche. Alors, il faut trouver le repère. Et ça, c'est tout au bout. Ok. Bon. On n'est pas sorti de l'auberge, mais ça devrait aller assez vite. Wow, tout doux, ma belle. C'est joli quand même ce. On va dire ce graffiti géant qui représente l'emblème de la ville. L'emblème de Novigrad. Et ces lumières au loin. Quelle grâce, quel style. Eh oui, c'est le sorceleur. L'escadron noir, Redanien. Plus vite. Celui qui est toujours à l'heure. Le sorceleur. C'est la fête. Non, on peut pas. Dommage, j'aurais bien aimé passer le temps à la Metal Gear Solid, mais on peut pas. Cool, les potions sont revenues. Qui, pour le coup, j'aurais pas le temps de le faire, le.
le playthrough de Metal Gear Solid. Impossible pour moi de pouvoir vous le faire au niveau temps et au niveau surtout contrainte, on va dire. Matériel, voilà. Si j'avais pas eu toutes les galères avec Windows 10 et mes problèmes de connexion internet, j'aurais peut-être pu vous le faire, mais j'ai un peu raté le coche. Donc, à charge de revanche, à charge de revanche. Les meilleurs articles de tout Navigant. Inutile de pousser, il y en aura pour tout le monde. Oui. Et puis vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y a pas mal et de jeux je qui vont sortir. J'aime faire affaire. D'ici là, on aura le temps de créer une série épique. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quelques manches de Gwent. Pas de refus. Allons battre ce marchand. Allons lui botter le cul. On a un bon tirage. Une chance au tirage, normalement on a une chance au grattage. Voilà, donne-moi les cartes. Donne-moi l'argent. L'argent de Google, s'il te plaît. Hop, on récupère encore deux cartes. On met un petit coup de freeze. Après, on va mettre d'abord lui devant, histoire de faire en sorte qu'il ne passe pas, et on va freezer quand même. Tout de suite. Puis c'est aussi le budget. Pas le budget, mais. La stratégie, c'est d'essayer de se concentrer aussi sur un peu l'e-sport, mais avoir le temps de le faire. Donc c'est pour ça que j'essaye avant tout de proposer du contenu assez intéressant. Dernièrement, j'ai essayé de faire un playthrough sur un jeu, et puis c'était pas probant, donc c'était pas très intéressant finalement. Je l'ai complètement zappé. Donc vous voyez, c'est pas que faire un playthrough pour faire un playthrough, c'est vraiment proposer quelque chose de qualité. Alors on va récupérer notre carte, puisque sinon on va perdre, de toute façon on s'est fait contrer au niveau du freeze. On va essayer autre chose. Voilà, en doublant juste les points. Ah, il manque deux points. Ça c'est con, mais ça peut le faire. Voilà, c'est fait. Et puis aussi parce qu'on a pris du retard sur le playthrough de The Witcher 3. Pas mal de retard. Mais bon, d'ici novembre, ça devrait être terminé. On n'est pas loin de la fin du jeu. Enfin, moi, je suis actuellement pas trop loin de la fin du jeu. Vigrad, déjà c'est plus de la moitié à peu près. Alors voilà, il a récupéré des cartes, il a gelé tout ça. Ok, il a mis ses super cartes de la mort qui tue, mais on a 31 à 20, on devrait pouvoir faire quelque chose. Il a que 4 cartes, j'en ai 3, sachant que je peux utiliser ma carte pour doubler les points. Il a pas un système pour me contrer. Enfin, je vais essayer. Ça marche. 49 à 27. Ça devrait le faire. Oui, il va piocher. Ça, j'aime pas ça. Le problème, c'est qu'il me rajoute des points. Et j'en remets par derrière. Là, faut quand même qu'il sorte 33 points. Hein. Je sais pas comment il va faire ça, mais. Il va certainement le faire. Connaissant l'IA. Surtout si c'est une IA basée sur celle de Europa Universalis. Elle est capable de me donner des points pour gagner finalement.
Putain, ça fait mal, là, ça fait mal. Il est perdu quand même. Ouh, c'était chaud, hein, 70 à 44. Hein. Je veux pas dire, mais on était pas loin de se faire battre. Ouh, il m'a donné une nouvelle carte. C'est qui, ça? Ville entre deux mers. Quoi, ville entre tes mers? C'est quoi, cette carte? Ah, c'est un dragon. Ah, c'est... Oui, parce que les dragons, ils ont des noms bizarres. Ils ont des noms de ouf. Des noms d'anciens, en fait. C'est un peu comme... Comme les vikings. Voilà. Des noms à rallonge, comme ça. Mais bon, ça, ça n'existe plus, maintenant. Voilà, de retour après une petite pause, désolé. Mais il y a des contraintes naturelles. Donc ça fait partie aussi du job. Ah, on a eu un petit temps de chargement. Par contre, c'est marrant, il pleut. Ah, c'est là. Ouh. On a enfin trouvé. C'est pas un endroit pour vous ici. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. Eh c'est non. Dommage, hein. Ah bon, depuis quand faut une invitation pour entrer dans un casino? Vous allez me laisser entrer. Bien sûr, je vous en prie. Et vous, là, souhaitez-moi bonne chance. Oui, ah. Bonne chance. Bon, il s'est fait un petit peu avoir, lui. Vous permettez? Pourquoi pas? Je vais jouer gros. Je voudrais jouer, mais uniquement pour miser gros. Je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être plein aux as, pas. Vous savez peut-être vous tenir, ou pas. Ne faites pas de vagues et vous finirez par jouer avec les gros poissons. En attendant, on a plein de tables à l'étage pour le tout venant. Ne flambez pas tout trop vite. Vous pouvez jouer tant que vous voulez, à condition d'avoir de quoi payer. Sinon, d'accord. Il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de... D'accord. Il y a un étage particulier apparemment. Bon, on y va, doucement. Elle a l'air en hypnose, la nana. Et le mec aussi d'ailleurs. Oh. La chance est avec vous aujourd'hui. Un mutant. Que venez-vous faire ici, sorceleur? J'avais trouvé des noyadés dans les toilettes du casino. Et j'ai trouvé ta mère, surtout. Pas de noyadés en vue, non. Je cherche le propriétaire des lieux. Ah, vous n'êtes pas le seul, vous savez. Vraiment? Oui, hier, un type est venu pour lui parler. Ils lui ont fendu le crâne aussi sec. Il doit nourrir les poissons alors qu'il est. Le bâtard a toujours été violent, mais cette fois, ça va trop loin. Merci pour l'avertissement. Quand on est gentil avec moi, je suis gentil en retour. Bien. Et maintenant, si on jouait? Si vous insistez. Je me sens en veine ce soir. Je vais vous plumer comme un vieux poulet. Ouais, ou alors c'est moi qui vais te plumer comme un vieux poulet. Allons-y. Oh, super tirage, là on va tout dégommer. C'est
parti. Et ça, on peut virer aussi, voilà. On y va. Mais je comprends pas pourquoi ils jouent toujours le Nilfgaard. Alors qu'il y a mieux comme jeu, quoi. Les Royaumes du Nord, c'est stylé. What? C'est passé quoi là? Ah oui, incinération, combat rapproché, d'accord, ça va dégommer les cartes normalement. On va essayer pour voir. Mais plus tard. D'abord on va sécuriser un peu le front. Ouais, si tu veux. Hop. Et voilà. Une carte en moins. J'aurais dû le faire plus tôt en fait. Mais bien sûr. On va pouvoir la récupérer et redégommer une autre carte. Voilà. Ça c'est juste par c'est juste pour mon ego. Gagner avec plus de 10 points d'écart. Bon, normalement on a de quoi faire. Oui, bien sûr, oui. Allez, c'est serré. Moi aussi, je sais faire. Ah ah, je t'ai eu. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ah ah ah. Et voilà. On lui a cloué le bec. Je ne veux plus jouer contre vous. Vous me portez la poisse. Voyez le bon côté des choses. Malheureux au jeu. Sauvegarde au cas où. Voilà. Et on y va. Il y a un monsieur au centre. Ça peut être intéressant. Puis-je me joindre à vous? Je ne vous ai jamais vu ici, je crois. Non, moi non plus d'ailleurs. J'ai entendu dire que le petit bâtard est un habitué. Vraiment? Et qu'avez-vous entendu d'autre? Le bâtard est là ou pas? Willy avait raison. Quelqu'un est à ses trousses. Désarmez cet homme! Ah oh merde! Déjà la viande froide, merde! Bon là, ça... Voilà. Faut savoir faire le ménage dans la vie. Allez, venez vous battre. Je suis pas du genre à profiter de leur faiblesse. Loupé.
Voilà, t'es mort. Enfin, ton pote est mort et toi aussi d'ailleurs. Bon, ça c'est fait. Apparemment, il y a du monde en bas. J'aimerais bien aussi surtout reprendre de la vie. Voilà. What? Comment il a fait ça, lui?